Dans l'épisode précédent, nous avons découvert un premier gagnant s'appelant AL Millionnaire. Venant de la brosse mention en Seine-et-Marne, il est reparti chez lui avec 700 000 euros. Découvrez le deuxième et dernier gagnant. Je vous souhaite un très beau retour à la brosse mention en Seine-et-Marne. La brosse mention en Seine-et-Marne, merci encore. 700 000 euros, vous vous rendez compte? Ça fait plaisir. Ravi que ça vous plaise. Nous retrouvons le dernier gagnant, Édouard Pressé de Limoges. Voici Édouard. Comment allez-vous? Ça va très bien, je vais aller tourner la roue. Non, attendez, vous venez d'où? Je viens de Limoges. Vous venez de Limoges? Parfaitement, maintenant je peux tourner la roue. Non, mais attendez, vous faites quoi là-bas? Je produis de la musique techno, ma passion. Votre passion? Ben oui, ma passion, j'aime la techno. Vous voulez pas qu'on en écoute et vous faire deviner les musiques qu'on vous fait écouter? Non, c'est inutile. Oh, allez, pour me faire plaisir. Non, désolé, je ne suis pas en état de répondre à des quiz musicaux. Mais vous y connaissez vraiment, techno? Bah oui, bah non, je vais tourner la roue. Eh bien, je vois que Edouard ne perd pas de temps. Il veut savoir avec combien il va partir à lui. Je suis sûr que vous pensez au moment où vous avez critiqué et au moment où vous l'avez gratté et que vous avez découvert des symboles fabuleux. Pour être plus précis, trois symboles, ce sont... De quoi vous me parlez? Laissez tomber. Bon, avec quel somme vous allez partir? Il faudra que vous partez avec une somme quoi qu'il en soit. Alors... Et ben vous partirez avec 500 000 euros, c'est une très belle somme d'argent. Attendez, la boule va tomber sur le million. Ah non, c'est la veine, on a enregistré 500 000 euros. Mais c'est bien 500 000 euros. Attendez, vous foutez de moi? La boule vient de changer de segment et la roue a continué à tourner. Oui, mais la règle, c'est que l'huissier de justice sélectionne la somme sur laquelle tombe la boule. Oui, mais la roue a continué à tourner. Non, elle s'est arrêtée un moment, après il y a dû avoir un mouvement, enfin je ne sais pas. Et puis foutez-moi la paix. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous me prenez pour un con, c'est ça? Bah c'est la règle, si vous n'êtes pas content, il ne fallait pas venir au millionnaire, je ne peux rien vous dire de plus. Oh, c'est comme ça que tu le prends? Non mais attendez, attendez, c'est pas comme ça qu'on va y changer les règles. Vas-y, tu vas me prendre mon pognon. Vas-y, lâche-moi, sinon tu vas te prendre mon poids dans la tronche. Je suis poli, alors lâche-moi les baskets. Et bah comme vous le voyez, Édouard est fier de repartir avec la somme de 500 000 euros. Mais avant Édouard, il y avait d'autres gagnants. On les retrouve tout de suite dans le bar. Retrouvons nos trois gagnants. Voici Vivian Pajol de Bar-sur-Aube dans l'Aube qui repart avec la somme de 100 000 euros. Loïc Loubard de Nolois en Côte d'Or qui repart avec 300 000 euros en poche. Et Sophia Sudboul de Nemours en Seine-et-Marne qui repart avec 700 000 euros. Retour centre scène avec Philippe Pizzoli. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Millionnaire juste avant le juste prix. À demain. Bah c'est la règle, si vous n'êtes pas content qu'il fallait pas venir au millionnaire, je peux rien... Attendez, je me trompe là. Coupez.